sont maîtres. Mais on a plein de pistes d'amélioration sur les quantités, donc on a bon espoir que ça parte vraiment loin. Mais voilà, le premier élément, c'est quand on a le boulet, ce qu'on a observé, c'est que souvent la sangle passait au-dessus ou en dessous. Donc ce qui fait que, un, c'est dangereux parce que ça soulève le boulet par exemple, et deux, on ne donne pas assez d'énergie à notre boulet. Donc là, on a une sangle en cuir qui est en train d'être réalisée, qui va mieux englober le boulet et qui sera d'ailleurs beaucoup plus franche de ce qu'il pouvait faire. Pardon, parce qu'une sangle de voiture, les Romains, ils n'avaient pas encore, mais ouais, on ne sait jamais. Comme ça, c'est des petites flèches. Alors théoriquement, ça doit être des flèches plus grosses, comme tu dois avoir ici. Voilà. Théoriquement, on aurait dû prendre ce type-là. Sauf qu'au début, quand on a commencé ce projet, on ne savait pas. On s'est dit, on va prendre des flèches de classique. Sauf que la corde passe en dessus ou en dessous, parce qu'il y a beaucoup de tension. Mais grosso modo, on arrivait à tirer à peu près 10 coups de rouge. Ça, c'est des prototypes. C'est qu'à un moment, dans l'Antiquité, ils se sont dit, à quel moment, pour quel moyen, on peut perfectionner ces machines-là. On a testé il y a en 2010. À Saint-Romain-en-Galles, à 25 mètres, ont transpercé deux bottes de paille. Alors, mental, c'est deux branches. Oui, il y a deux mises en tension ici avec les cordes. Alors, elle est assez simple cette manivelle. Normalement, elle est maniée par trois personnes pour arriver aux 7 coups minutes. Elle va servir, comme son nom l'indique, en fait, à être relativement facilement transportable. Vous voyez, c'est assez simple. Et elle était posée en batterie. Elles étaient posées en batterie plusieurs sur un point haut et elles servaient du coup à faire des tirs de barrage. Très clairement. C'est assez simple, on vise, réarmé, on rebloque, on remet les gants, hop, on remet le pied, et on partit pour tirer. On vous imagine, il y a quelqu'un à chaque poste, ça peut aller très très vite.